Les crédits qu'on fait, qu'on octroie, bah, y a une partie qui n'est pas risquée, c'est-à-dire qu'on va forcément récupérer, eh bien ça compte pas. Par exemple, si on regarde la situation ici, si on regarde la situation ici, bon, là, les crédits à la consommation, ça c'est risqué. Hein. Risqué, très risqué. Donc, ça compte. Les crédits hypothécaires, bah, c'est plutôt pas trop risqué. Alors, on peut pas dire que c'est 100% pas risqué. Mais on pourrait dire que la moitié, deux tiers, finalement, c'est pas risqué. Sur la masse, on aura toujours deux tiers de récupération. Les PME risquées. Les grandes entreprises, bah, ça dépend de leurs notes et de leur capacité de remboursement de crédit. Mais on peut dire à l'aise que si on choisit bien les entreprises auxquelles on prête, on pourrait avoir la moitié, deux tiers, la moitié. Les collectivités, pas risquées, c'est public. Et les banques, bah, si je choisis bien les banques auxquelles je prête, c'est comme les grandes entreprises, hein, c'est pas forcément risqué. Et donc en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais c'est pas, je suis pas allée beaucoup plus loin. Là, pour les 1 de capital que j'ai, je n'ai risqué que 7, et la loi me dit que je peux aller jusqu'à 12. Donc du coup, en fait, je peux continuer à développer mes activités. Je peux continuer à développer mes activités en octroyant un petit peu plus de crédit à la consommation, parce que finalement, ça rapporte. En faisant beaucoup plus de crédit hypothécaire, parce que le crédit hypothécaire, bah, c'est bon pour mes affaires à long terme. Comme je vous l'ai dit, ça fidélise, etc. Et donc, je vais augmenter les crédits hypothécaires. Je peux aussi augmenter un peu les PME quand même, hein. C'est bien pour la croissance. Donc, je peux augmenter un petit peu mon crédit au PME. Hop. Je peux augmenter les crédits aux grandes entreprises. Hein. Alors là, j'en suis à combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ouais, je me suis peut-être un petit peu emballée. Parce que bon, les collectivités aussi, elles en ont besoin. Hein. Donc voilà, collectivité, hop là. Juste une question, pourquoi les collectivités, c'est pas du tout risqué ? Ah mais non, non, c'est pas risqué. Alors en fait, c'est dans la loi, il y a des... non, en fait, c'est bon, parce que les collectivités, je peux en rajouter. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et si je veux prêter un petit peu plus aux collectivités, c'est pas grave, parce que voilà, c'est pas risqué. Parce que c'est public et l'État est censé garantir si elles font faillite. Et alors, en fait, dans la réglementation dit... Donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la pondération par les risques. C'est de dire que le calcul du montant d'engagement que la banque peut prendre avec un montant de capital donné dépend de l'évaluation des risques qu'elle prend. Et dans la loi, il est écrit que pour toute une série de pays, typiquement pays de l'OCDE, les banques peuvent prêter avec une pondération nulle. Et donc, alors après, c'est à leur libre appréciation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des pays au moment de la crise qui ont commencé à avoir il y avait des risques de non-remboursement, quoi. Genre la Grèce, typiquement, et d'autres pays. Du coup, les banques font leur propre évaluation du risque. Et donc, ils ne vont pas considérer que ça vaut zéro risque, hein, parce qu'il y a un risque qui se révèle. Mais en tout cas, il y a un encouragement par la réglementation à prêter plus aux entreprises. De Dublin, tout ça. Comment ? L'augmentation de Dublin. De Bâle. De Bâle. Ouais. Bâle est appliqué en droit européen et international. Ouais. Mais il y a quand même une grosse réserve quelque part, parce que s'ils octroient les 12 crédits qu'ils peuvent donner à risque, là, ouais. Et qu'il y a un moment où. Ça pète. C'est quand même basé sur la spéculation, quand même. Bah, la réserve, elle est là. Dans le capital. Oui. C'est pas bien. Peut-être pas, hein. pas dans tous les cas. C'est un peu juste, hein. C'est un peu juste, ouais. Ouais, c'est un peu juste, en effet. Mais ça va, on a des équipes qui analysent les risques de manière extrêmement sérieuse. Donc on sait ce qu'on fait, madame. Comme en 2008 ou... Non, mais on n'y est pas, donc. Oui. Et qui détermine si c'est risqué ou pas ? Alors, dans la loi, aujourd'hui, il y a deux actions possibles pour les banques.
Soit elles peuvent prendre la méthode standard. Donc la méthode standard, c'est la loi qui décide, qui dit bah, pour les entreprises, les petites entreprises, c'est autant de pondération. Pour les crédits hypothécaires, c'est autant de pondération. Pour les crédits conso, c'est autant de pondération. Pour les États, c'est autant. Et c'est un tableau tout simple. C'est simple et du coup, c'est pas cher à mettre en place. Et puis, il y a une deuxième méthode qui est la méthode... la méthode d'évaluation interne. Et la méthode d'évaluation interne, en fait, c'est les banques qui peuvent définir leur propre modèle de calcul des risques et de l'exposition aux risques. C'est pour ça qu'elles emploient plein de mathématiciens, des physiciens, etc., pour leur faire des modèles complètement géniaux d'évaluation des risques, qu'elles doivent ensuite aller présenter aux autorités de contrôle, qui vont essayer de se dépatouiller pour comprendre si oui ou non c'est bien foutu. Et en gros, qu'est-ce qui se passe ? Bah, les petites banques qui n'ont pas les moyens de faire leur propre modèle vont vers le modèle standard, et les grosses banques vont vers le modèle d'évaluation interne. Il y a un chapitre de Bancocratie qui explique très bien ce truc-là, et qui y a un dessin aussi, un graphique. Je sais pas, il y a un exemplaire de Bancocratie ici. Oui. On pourra le regarder après. Il y a vraiment, sous forme graphique, le schématique, la pondération par les risques expliquée, vous verrez, c'est limpide. C'est pas le schéma où on avait vu qu'il y avait une erreur la dernière fois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et on a découvert, grâce au sous les pourcentages, en fait. Il y a une erreur pas grave du tout, mais. Une erreur de calcul ? Dans l'illustration. Non, dans l'illustration que tu. Où il y a les pourcentages, ouais, on a mis 100 à dette souveraine et en fait ça fait 30, mais ça n'a rien à voir. C'est ça. Ah, c'est le pourcentage qu'on a mal évalué. Qu'est-ce qu'elle a trouvé ça ? C'est Tina qui avait trouvé ça. C'est Tina qui a dit Tina. Mais ça fait pas comme ça, la pondération, c'est pas bonne. Ah ouais, tu as raison. Mais il y avait un gars aussi. C'est pas Nicolas qui réagissait. Je veux pas te retirer la découverte, hein, mais il me semblait qu'il y avait quelqu'un. Parce qu'en fait, la logique est inversée sur certains trucs. Ouais, on n'a pas appliqué la même logique. Ah, c'est la pondération 0% du coup. Voilà. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Ah, mais c'est dingue. Pourtant, je l'avais vu, moi aussi. Et on attend 3 ans. Et donc, quand tu dis la loi, c'est les réglementations de Bâle. Non, les accords de Bâle, c'est des accords internationaux qui ensuite sont retranscrits en loi nationale. D'accord. Purée, c'est dingue. Pourtant, je l'ai regardé mille fois, ce graphique aussi. Et je viens de trouver une autre erreur dans un... Bah, si vous voulez le passer, c'est ça. Et donc là, il faut bien voir, c'est 0% la pondération. Mais 0, ça qui ? Dans celui-là... Oui, tu peux écrire 0. Donc, comme quoi, il faut être attentif. En fait, pour les personnes qui n'étaient pas là, les 10 février, on avait fait une pré-formation à la formation juridique. On avait parlé des mots en finance et tout. Et je vous avais envoyé par mail assez tard, je suis désolée. L'erreur, c'est vraiment un détail, hein. Voilà. Alors. Mais sinon, il y a page 164 aussi, il y a un exemple concret avec la BNP. Ah ouais, voilà. Bah, ça, on pourrait la regarder aussi. Alors, c'est bon. Alors, du coup, avec cette extension des activités, donc génération de profits, etc., on va revenir à notre conseil d'administration, si vous voulez bien. Et donc, pendant ce conseil d'administration, donc, je vous ai dit, option 1, on reverse ce jeton de capital sous forme de dividende au propriétaire. Option 2, on réinvestit ce capital, on utilise notre capacité de crédit offerte par la réglementation pour développer nos activités, donc potentiellement doubler la taille de ce qu'on fait. Alors on pourrait faire la même chose, mais en fait, il se trouve que la réglementation a évolué. Et qu'en tant que banque, qu'institution de crédit, on a la possibilité de s'engager dans d'autres activités pour accompagner nos clients sur les marchés financiers. Il se trouve qu'il y a pas mal d'entreprises, de banques autour de nous qui ont commencé l'aventure et que c'est très lucratif. Ça fonctionne très bien. Début de troisième partie. Ah, mais on est dans les temps à mort. Ah ouais, début de la troisième partie. Là. Et il se trouve aussi que dans nos équipes, il y a des gens très qualifiés. On a des personnes qui accompagnent, qui conseillent nos clients dans leurs investissements, par exemple. Des particuliers, des entreprises, qui les conseillent pour acheter tel titre à tel moment, qui suivent les évolutions de marché pour faire des bonnes opérations.
nous pourrions mettre ces compétences au service de notre banque. Et pas seulement au service de nos clients. Et donc, voilà, c'est le mélange de tout ça qui nous fait dire que ce serait une bonne idée pour le développement de la banque que de s'engager dans ses activités sur les marchés financiers et d'utiliser au meilleur escient le capital supplémentaire que nous avons maintenant. Voilà. Alors notre discours a vraisemblablement été convaincant puisque le conseil d'administration a choisi cette troisième option qui est l'extension de nos activités de marché, les activités d'avenir. Comment est-ce qu'on va faire ? Ben, le plan qu'on a proposé se base sur le fait que nous sommes une banque extrêmement stable, extrêmement solide aussi. Hein. Extrêmement solide, vous voyez, on a 2 de capital et on pourrait mettre 24 à risque, on n'en a que 12. Solidité maximale. On a un coussin 2 fois plus gros que ce que la réglementation nous impose. Excellente réputation aussi. Excellente réputation auprès des autres banques avec lesquelles on interagit tous les jours, auprès des grandes entreprises qui sont clients chez nous, auprès des plus petites entreprises, auprès de la population en général qui nous reconnaît comme une des banques importantes du paysage. Et donc, on va utiliser tout ce capital, ce capital confiance, pour le développement de nos activités. Alors, on pourrait... oui, la chose importante, c'est que comme ce ne sont pas des activités de crédit que nous allons conduire, ça va pas être on crée du crédit, on fait des crédits et ça crée des dépôts. Le mouvement va être inverse. Pour pouvoir continuer à développer notre activité, il va falloir qu'on trouve des gens qui nous prêtent de l'argent pour qu'on achète des nouvelles choses. Alors, je vais d'abord expliquer qu'est-ce qu'on va acheter. Pour commencer, commençons tranquillement, gentiment. On a des grandes entreprises, des États aussi, qui viennent nous voir et qui nous disent « Écoutez, on a besoin d'un financement beaucoup plus important que ce que vous pouvez nous offrir par le crédit. Et nous aimerions aller chercher des fonds sur les marchés financiers. » Or, nous, entreprises de construction, nous, régions, nous n'avons pas les moyens d'aller nous-mêmes sur les marchés financiers. Et donc, ces institutions vont venir nous voir en tant qu'intermédiaires. Moi, banque, j'ai accès aux marchés financiers. Je connais les marchés financiers. Je connais aussi des gens, des institutions, des investisseurs qui sont, parce que je suis bien connectée dans le système, qui sont intéressés à acheter des actions, des obligations d'entreprises qui veulent aller se financer sur les marchés, qui sont intéressés à aller acheter des obligations d'État. Et donc, moi, je vais juste me poser comme intermédiaire, je vais fournir un service aux entreprises et aux États pour qu'elles aillent chercher des fonds sur les marchés. Dans mon service, ce qui va faire partie de mon service, c'est que si jamais tout le stock de titres l'entreprise ou l'État a produit n'est pas vendu, moi, en tant que banque, je vais me porter acquéreur des invendus, en gros. Ça, disons qu'on met 1 million d'actions Danone en vente et qu'il n'y en a que 950 000 qui sont achetées. Eh bien, les 50 000 restantes, moi, je vais les acquérir en tant que banque. Mais pour les acheter, il faut que j'ai de l'argent. Et là, tout est alloué. Comment est-ce que je fais ? Eh bien, je vais emprunter. Alors, je vais emprunter à qui ? Je vais commencer par emprunter à des banques, en fait. On a noué une activité, enfin une collaboration tout à fait fructueuse depuis quelques années avec d'autres banques qui sont prêtes à me prêter. Et avec cet argent, donc ici ce sont des titres financiers, hein, je vais pouvoir fournir ce service d'acquisition de titres financiers dans le cadre du service que j'octroie aux entreprises et aux États. Mais bon, les autres banques, on ne va pas aller forcément très très loin avec ça. On peut compléter ce financement et ça va devenir une ressource vraiment précieuse. Nous-mêmes, banques, nous pouvons emprunter sur les marchés financiers. Je peux émettre ce qu'on appelle des obligations.
C'est-à-dire que je peux dire, moi je suis banque, je suis solide, vous pouvez me faire confiance, je veux vous emprunter. Et donc je ne vais pas emprunter un milliard d'un coup, je vais emprunter, enfin à une seule institution, je vais emprunter un milliard vendu sous forme de 1 million de titres de 1000 euros par exemple, ou 10 millions de titres de 100 euros. 10 millions d'obligations à 100 euros, disons. Je vais les mettre en vente publiquement. Et donc toute personne ou toute institution qui croit en moi, qui croit en ma capacité de rembourser à l'échéance donnée, qui est intéressée par les intérêts que je vais payer chaque année, je fais une émission disons à 3 ans, eh bien toute personne peut acheter mes obligations. Et en fait, vu que je suis une banque extrêmement solide avec une très bonne réputation, ça va se vendre comme des petits pains. Et donc j'arrive comme ça à emprunter énormément d'argent pour financer le développement de mes activités de marché. Accompagnement des entreprises, accompagnement des États. Et en fait, je me rends compte que tous ces titres-là que j'accumule, tous les invendus, ben, c'est quand même idiot de les laisser juste dormir là. C'est quand même plus intéressant, comme ces titres évoluent en valeur, hein. Par exemple Nestlé, disons qu'il est à 100 euros le matin, à 100 euros et 10 centimes le soir. Bon, en tant que particulier, ça te fait une belle jambe d'avoir acheté un titre à 100 euros et de le revendre à 100 euros et 10 centimes le soir, te faire 10 centimes, parce que de toute façon, la commission que prendra la banque sera bien supérieure. Mais en revanche, moi, en tant que gros investisseur, si j'ai... alors c'est là qu'à chaque fois je me plante. Si j'ai 100 000 euros de titres... Nestlé, ben, le matin ça vaut 100 000, le soir ça vaut 110 mais fois 10. Hein ? 100 000. Si j'en ai l'équivalent de 100 millions, ben, ou de 10 millions, ça vaut 10 millions et 10 000. Et en fait, juste en une journée, je me suis fait 10 000 euros. Et je peux faire ça avec plein de titres. Et c'est vachement lucratif. Parce que le matin, j'appelle, je dis, j'achète. Le soir, je vends. Ou l'inverse, quand il y a des mouvements à la baisse. En une journée, on peut se faire des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Les gens qui font ça, les traders, je peux bien les payer hein, pour ce qu'ils me rapportent. Je peux même bien leur payer des bons bonus, si vraiment ils me rapportent énormément. Et je vais les encourager à le faire. Et ça va encourager le développement de cette activité-là. Parce que nous, tant qu'on gagne, on joue. Hein. Alors, bien entendu, ces titres aussi sont soumis à la même loi qui dit que pour deux que j'ai de capital ici, je peux mettre 24 à risque. Okay ? Donc là, j'avais déjà 12 hein, ici sur mes crédits. J'en ai à 2, 4, 6, 8, 9... Bah déjà, je peux continuer, et comme ça fonctionne bien, eh bien on continue. On continue d'acheter des titres financiers, on continue de s'engager sur les marchés, on continue de produire des titres financiers, parce qu'en fait, on les produit aussi pour le compte de nos clients. Et en fait, il y a un moment, il y a des banques d'affaires américaines qui ont commencé à produire des titres vraiment incroyables. C'est des titres donc, qui ont comme... comme base des crédits hypothécaires octroyés à une partie de la population des États-Unis. Ces crédits hypothécaires sont structurés hein, dans des véhicules juridiques qui sont les détenteurs de ces crédits. Ils sont combinés avec des crédits de différentes qualités. Ces banques ont été voir agences de des sociétés d'assurance pour assurer le risque de ces crédits-là. Elles ont été voir des agences de notation aussi qui ont estimé que tout ceci était bien monté et que l'assurance garantissait que ce produit n'était pas risqué. Et donc, on a vu débarquer ces produits sur les marchés financiers notés double A, triple A, avec des rendements intéressants. Et donc, bah, on va se lancer dans l'aventure aussi hein, parce que c'est plutôt intéressant et puis ça compte pas dans les risques. Et puis bah, on continue quoi. Alors aussi de temps en temps on change, hein. On va pas forcément vers des entreprises risquées, on va aussi vers des entreprises qui ont des très bonnes notations. On fait attention hein, aux risques qu'on crée, hein, mais
comprends, on est une banque sûre et bien gérée. Et donc, on continue d'emprunter comme ça, voilà. Voilà. C'est un beau bilan, ça. Et ainsi, nos activités sont devenues, on est devenu une banque très importante hein, sur le marché. Et nos activités se sont bien développées. Nos actionnaires sont très contents, nos clients aussi. Tout va bien. Qu'en pensez-vous? C'est super. C'est la fin de la troisième partie. Comment? Oui, j'ai expliqué ça un petit peu. Ouais. Comment on achète des crédits? C'est pas des actions et tout ça qu'on... Ouais, alors comment est-ce qu'on achète des crédits hypothécaires? En fait, déjà, il faut que ce soit autorisé. Donc c'est autorisé maintenant. Donc en gros, par exemple, ici, la banque se dit, j'ai des crédits. Je veux les sortir de mon bilan, c'est-à-dire que c'est plus à moi qu'on va rembourser, c'est à quelqu'un d'autre. Et comme ça, je vais pouvoir faire des nouveaux crédits. Je les vends. En fait, pas directement sous forme, nécessairement sous forme de crédit, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on va créer une entreprise qui est une société d'investissement avec une structure particulière, genre au Luxembourg par exemple, il y en a beaucoup. C'est un SPV, Special Purpose Vehicle, donc un véhicule d'investissement avec un objectif spécifique. L'objectif spécifique de ce véhicule, c'est de se porter acquéreur de crédit. Donc se porter acquéreur d'un crédit, ça veut dire que tout d'un coup, c'est cette entreprise qui est à qui on va rembourser. Ensuite, hein, cette entreprise-là, elle-même va émettre des titres. Elle va émettre des actions, par exemple. Et donc les gens vont acheter des parts de cette entreprise. Elle achète le crédit à la banque. Elle achète le crédit à la banque. Donc du coup, ici, il va y avoir du cash qui va rentrer, qui va se transformer en crédit. Et parce qu'en fait, elle vend à la hauteur de ce qu'elle attend d'être remboursée. Elle ne vend pas forcément, si elle doit être remboursée 100 000 euros. Elle vend soit à 100 000 euros ce crédit, soit à 60 000 euros, mais bon. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est une négociation. Mais supposons, pour faire simple, elle vend à la hauteur de ce qu'elle attend comme remboursement. Ouais. Et comme intérêt, en effet. Si c'est vendu normalement, s'ils sont en forme, ouais. Donc voilà. Et quel est l'intérêt de la banque de vendre son crédit? Parce que c'est rentré. Si par exemple, elle estime qu'il est peut-être un petit peu trop risqué, et qu'elle préfère le confier à quelqu'un d'autre. Ou bien juste et pour... Et que quelqu'un d'autre ne se dit pas « Ouais, c'est un peu étrange qu'ils me vendent leur crédit. » Mais bon, de manière générale, c'est profitable hein, de faire cette action. C'est gros, parce qu'en gros... Ouais, vas-y, tu voulais dire... Non, mais le quelqu'un d'autre, c'est une autre banque qui dit « Ok, il y a des risques, mais le rendement est supérieur à un produit non risqué. Et moi, je veux du rendement. » Et donc, je prends le risque. Et donc, une partie de l'argent... que j'ai à ma disposition, je le mets sur des produits très risqués, mais à haut rendement. Et j'équilibre le tout. Et si ça se casse la gueule, vu que j'ai des trucs non risqués dans mes comptes, je vais m'en tirer. Peut-être. Le fait est aussi que c'est une activité qui est quand même lucrative pour la banque. Parce que c'est en plus une hypothèque, donc si ça roule, je récupère la maison. Ah mais non, quand on a vendu le crédit, on n'est plus propriétaire de la banque. Non, mais le special, la structure ici, elle devient possesseur de la maison si ça se passe. Ça se passe ici. Mais le fait est que la banque, elle va vendre le produit qui va être émis par ce SPV et elle va toucher des commissions. Et donc non seulement elle va toucher les commissions sur le commerce des titres qui vont être émis par cette structure, mais elle va aussi pouvoir reprêter ici et de nouveau valoriser le... Ouais, enfin, reprêter. Voilà. Alors, effectivement, on ne peut pas vendre... Ouais. Enfin, donc, je croyais que tu avais fini l'idée et que tu passais à une... J'allais expliquer comment elles ont réussi à rendre le truc vendable quand même. Parce que bon, tu peux pas... Si les banques estiment que le crédit, comme c'était le cas, donc là, je parle de l'exemple des subprimes... En gros, qu'est-ce qu'elles ont fait les banques aux États-Unis? Elles ont octroyé des crédits à des gens que sur les marchés financiers on appelait les ninjas. No income, no job et no asset. C'est-à-dire pas de revenus, pas de boulot et pas d'actifs, pas de patrimoine. Donc des gens qui potentiellement n'allaient jamais pouvoir rembourser. Puis avec la complicité des organismes de notation, c'est ça?
Donc, en gros, elles ont octroyé ces crédits en se disant « on les octroie » et ensuite on va les vendre sur les marchés financiers. Là, il y a des crédits à des ninjas et puis là, il y a des crédits un petit peu meilleurs. On met ça ensemble dans une structure. On va chercher une assurance, une société d'assurance. Moi, je m'appelle, la banque qui a structuré ça, c'est genre Lehman Brothers. Entreprise de renommée internationale, c'est forcément très bien. L'assureur achète et dit « ok ». Il se fait payer hein, pour le contrat d'assurance, mais l'assurance, il y a une assurance là-dessus. Donc, c'est peut-être risqué, mais c'est assuré. Donc, au pire, si tout d'un coup, les gens se mettent à plus rembourser, c'est l'assurance qui va payer les investisseurs. Et avec ça, je vais voir une agence de notation. Et je lui dis, voilà, c'est peut-être un peu risqué, mais on est assuré. Et donc, au pire, si ça se casse un peu la gueule ou s'il y a des difficultés, ce qui est possible, c'est pas absolument nécessaire, l'économie est florissante, la croissance continue, etc. Si ces gens ne peuvent pas payer, eh bien ils revendront leur maison, et les mobiliers ça augmente toujours, et puis on retrouvera nos billes. Enfin, les investisseurs retrouveront leurs billes. Donc du coup, à l'agence de notation, qu'est-ce qu'elle dit? Franchement, pas de risque. Et donc elle arrive à vendre ses titres, alors, on avait différentes sortes, mais disons qu'elle arrive à vendre ses titres avec une assurance, et une très bonne note. Et donc les investisseurs, qu'est-ce qu'ils se disent? Waouh, c'est super, il y a du rendement et il y a une très bonne note. On y va. Sauf que du gros rendement sans risque, ça n'existe pas. Et qu'à un moment donné, les titres qui avaient été vendus avec cette promesse, eh bien on s'est rendu compte que on n'allait pas récupérer l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui ont reçu les ninjas, là, toutes ces personnes qui étaient plutôt précarisées, qui ont reçu un crédit hypothécaire, qui ont pu enfin accéder au rêve américain d'avoir une maison, au bout de 3, 4, 5 ans, leur situation ne s'était pas vraiment améliorée. Sauf que c'était des crédits extrêmement pervers, parce qu'au début, on leur demandait de ne pas rembourser grand-chose. Et puis, à un moment donné, il y avait un effet cliquet, quoi. Tout d'un coup, il fallait rembourser des montants très importants. C'était à taux variable, quoi. C'est ouais, et puis le principal, enfin la partie capitale était relativement allégée au début. Et donc, le fait est que les mensualités augmentaient d'un coup. Et d'un coup, toutes ces personnes à qui on avait vendu ces crédits sur des périodes très courtes et dans des régions, c'était bien concentré, c'était des quartiers entiers. Tout d'un coup, il y a toute une quantité de personnes qui se sont retrouvées dans l'impossibilité de payer parce que leur situation ne s'était pas améliorée. Non, ils n'avaient toujours pas de boulot ou alors des boulots de merde. Non, ils n'avaient toujours pas la possibilité de rembourser et surtout pas des montants pareils. Et donc, du coup, tout d'un coup, des milliers de gens se sont retrouvés dans l'incapacité de rembourser leur crédit. Et à un moment donné, on a atteint un seuil tel que même l'assurance ne pouvait pas couvrir la perte. Et donc, ces produits ont fait péter l'assureur. Ça a induit la faillite de l'assureur AIG, vu les proportions que ça prenait. Mais à partir du moment où l'assurance fait faillite et où les titres, il commence à y avoir des défauts de paiement, les titres, ils valent plus rien et plus personne n'en veut. Tout le monde essaye de s'en débarrasser jusqu'au moment où ça vaut carrément zéro. Mais pourtant, au final, ces titres, ce sont des maisons. Et même si les gens ne savent pas rembourser la maison, on ne va pas leur laisser. On prend la maison. Oui, j'ai oublié un épisode. C'est que comme les crédits, ils ont été octroyés à chaque fois dans des quartiers entiers, en fait... T'as peut-être déjà vu les images, ça a été, ouais, c'était beaucoup de nouvelles constructions et tout. Mm-hmm. T'as peut-être déjà vu les images où t'as une maison sur deux qui est fermée. Mm-hmm. Et donc, du coup, la valeur de la maison aussi, elle descendait extrêmement vite. Mm-hmm. Puis il y a des gens fous de rage qui ont défoncé leur maison aussi. Il y a eu plein de destructions de maisons, exprès pour faire chier les banques, pour qu'ils ne récupèrent pas leur argent. Et donc, par colère, quoi. Ouais. Et donc, du coup, non, l'hypothèque non plus, ça ne marchait plus. Les maisons étaient surévaluées. Et en tout cas, ont perdu beaucoup de leur valeur. Et ça, ça aurait pu avoir un impact minime si ça n'avait pas pris des telles proportions en taille, en montant, et si les crédits n'avaient pas été revendus sous forme de titres un peu partout dans le monde. Parce que c'était tellement une aubaine, ces machins-là, ces titres, que tout le monde s'en est acheté partout. C'est l'effet moutonnier, comme ça, les marchés financiers, quand ils voient une bonne affaire, il y a les premiers qui bougent et puis il y a tous les autres qui suivent. Tu veux dire les grandes banques, quand tu dis tout le monde? Oui, les grandes banques, les gros investisseurs, et puis après ça se diffuse par les analystes financiers qui vendent leurs analyses, etc. Enfin, en gros, quand il y a les premiers qui identifient une opportunité, puis il y a tous les autres.